Celui qui doit vous aider va venir, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il témoignera pour moi, et vous aussi vous témoignerez pour moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela, afin que vous n'abandonniez pas la foi. Vous serez expulsés des synagogues. Et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'en faisant cela, ils servent Dieu. Les gens agiront ainsi avec vous, parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Et je vous dis cela pour que, lorsque le temps sera venu pour eux d'agir ainsi avec vous, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais très bientôt je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Pourtant, aucun de vous ne me demande où je vais. Et maintenant que je vous l'ai dit, vos cœurs sont remplis de tristesse. Toutefois, en vérité, je vous l'ai dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Alors que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il prouvera à tous les êtres du monde qu'ils avaient tort à propos du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ils ont tort au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ont tort au sujet de la justice parce que je m'en vais auprès du Père et qu'ils ne me verront jamais plus. Et ils ont tort au sujet du jugement parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand toutefois l'Esprit sera venu, celui qui révèle la vérité sur Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui va arriver. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera. Tout ce que mon Père possède est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera.